Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH, je vous sers la suite entre l'aspect découvert de Stellar Blade sur PS5. La dernière fois, on a récupéré un exospin supplémentaire grâce à Lily, mais on a surtout fait de l'annexe, des quêtes qu'on avait déjà en stock, on a récupéré quelques-unes, merci Digger. Et donc aujourd'hui, on va essayer de finir l'annexe qu'on a. Enfin, on va finir l'annexe qu'on a, en espérant que ce soit à la fin de l'annexe, mais j'ai bien l'impression que ce soit à la fin. Il s'est passé plein de choses entre cet épisode et le dernier, mais avant d'y venir en détail, on va finir au moins les quêtes qu'on a à Eidos 7, à savoir la quête qui implique de récupérer le vin. Donc il faut qu'on retourne là, on a récupéré le vin pour Barry. Donc on fait ça vite fait bien fait, et une fois de retour à Action, je vous explique tout ce que j'ai fait en off parce qu'il s'est passé plein de choses. C'est un château Moulac, plus qu'une bouteille. Voilà, cette quête un peu idiote qui nous demande de revenir à l'endroit où on était à la quête précédente, mais bon. Tour un peu inutile. Ça qu'on fait ça vite fait, bien fait. Mais. Pour 2000 gold, ça se prend. Alors. Plein de quêtes ont été faites en off, surtout sur les poissons. J'ai fait que des quêtes annexes liées aux poissons. Parce qu'en fait, sur le panneau de quêtes, vous avez toute une liste de quêtes à faire dans l'ordre qui implique la pêche. Donc ici, il fallait récupérer un flétan, si je dis pas de bêtises. Ici, non, là, il fallait faire un flétan. Là, il fallait vendre des poissons à Barry, je crois. Là, il fallait attraper un flétan. Ici, il fallait récupérer un coffre avec un mot de passe. En fait, ce coffre est dans une zone de pêche secrète que nous montre Clyde. Une zone des terres désolées que je n'étais pas encore allé. C'est une zone tout au nord-est. J'essaierai de vous montrer si on a le temps. Il y a un coffre au fond de la flotte avec un mot de passe 0508. Vous l'attrapez et vous chopez un appât assez spécial. Il était donné de pêche aussi. Et vous avez d'ailleurs au fond de ce petit lac un coffre qui récupère une tenue pour Lily. Enfin, pour Artemis. Ah. J'ai sa tenue de base. Voilà, donc, juste truc à la con. Et après, vous avez une dernière quête. Enfin, deux quêtes. Une quête pour trouver l'appât fantastique. Donc, vous avez tout le descriptif de la quête sur le mémo, donc c'est pratique. Faut pêcher 20 poissons différents. Allez voir Clyde pour augmenter la pâte fantastique. Allez voir Roxanne qui vous fait des données que vous ne pourrez récupérer que comme ça. Et après, on achète les infos et on va chercher la pâte fantastique qui se trouve dans le coffre tout au fond de la flotte. Une espèce de mini usine qu'il y a au sud des terres désolées où il y avait un petit tout truc à faire, une zone calme. Vous avez une flotte, vous avez une grande grotte qui descend tout au bout, et en fait il y avait un coffre qu'on n'avait pas pu ouvrir la première fois, il s'ouvre grâce à cette quête là, et après vous avez la quête du poisson légendaire, il faut attraper un requin baleine. Une fois qu'on a fait tout ça, généralement on arrive à ça, tous les poissons pêchés. Alors ça peut être long, en vrai c'est assez simple. Donc vous avez différentes catégories de poissons, les petits, les moyens, les grands, les titanesques, les géants. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, je peux. Donc vous avez différents appâts pour la pêche. Ils sont rangés par ordre. Alors celui-là, vous l'oubliez, c'est de la merde. Les petites crevettes pour les petits poissons. Les insectes gesticulants pour les moyens poissons. Les morceaux de poissons pour les gros poissons. Les appâts spéciaux pour les très très gros poissons. Et l'appât fantastique pour les géants. L'appât fantastique n'est pas à usage unique, c'est un appât illimité. Hop, on revient sur le menu. Donc comme j'ai dit, vous prenez la roue des appâts dans le sens horaire, vous avez petit, moyen, grand, titanesque et géant. Sachant que les géants peuvent se frapper avec l'appât fantastique, donc il vous faut la quête pour ça. Et pour bien les choper, il faut aussi acheter toutes les données de pêche de Clyde, donc faire les quêtes.
À la fin, ça devient un jeu d'enfant de pêcher. Pour ce qui est des zones de pêche, les géants ne peuvent s'attraper qu'à l'oasis. Les titanesques peuvent s'attraper à l'oasis et ailleurs. Mais basiquement, il y a trois zones qu'il faut farmer. L'oasis, pour tous les petits poissons et les géants et quelques titanesques. Vous avez le plan d'eau à la tour de l'horloge de Daido 7. Vous pouvez en attraper une quantité astronomique. Vous pouvez le faire Axion. Il y a un petit plan d'eau Axion sur le chemin communautaire désolé pour attraper pas mal de moyens poissons. Des grands, je suis pas sûr. Les grands, je suis pas convaincu. Et vous pouvez évidemment farmer le Grand Lac, qui est de la zone nord-ouest des Terres Désolées, qui est l'un des coins préférés de Clyde et qui est l'un des meilleurs coins pour pêcher. Voilà. Vous avez toutes les infos liées à la pêche. Je l'ai terminé. Il faut juste qu'on aille voir Clyde pour dire qu'on a tout attrapé et on est good. Il y a une quête qui est arrivée avec Barry. Pour changer. Donc en off, j'ai fait ça. J'ai farmé les canettes avec un guide par zone. Donc pour les terres désolées et le grand désert. J'ai normalement toutes les canettes. J'ai récupéré 2-3 coffres qui traînaient ici et là. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré un mot de passe ici d'un coffre qu'on a beaucoup vu. C'est le coffre qui est sur le espèce de... Alors, il s'appelle un monorail. Espèce de rame de tramway en équilibre tout au nord du désert. Celui-là, je l'ai ouvert. On avait le mot de passe. Je l'ai ouvert en off. Je serais incapable de vous dire où est le coffre. Et celui-là, je sais toujours pas où il est. Bon, j'ai récupéré des mots de passe aussi pour le grand désert. Mais en vrai, j'ai un peu la flemme. Je vous cache pas. J'ai récupéré un skin qu'il faut que j'aille voir. Un skin aux terres désolées. Sur le chemin d'une canette, donc il faut savoir à quoi il ressemble. Et j'ai récupéré 2-3 petites caisses de ressources à la con, genre des polymères et des nano-éléments. Ah, l'ange, tu tombes à pic. Je tombe à pic. Si t'as encore des problèmes de vin, tu vas devoir te débrouiller. C'est bien le vin, mais j'y suis pour rien. Comment ça, tu n'y es pour rien? Les bouteilles de la cave à vin sont imbuvables. Tout a tourné au vinaigre. Vraiment? C'est dommage, mais il ne reste rien dans la cave. Oui, je n'avais pas l'intention de t'y renvoyer. J'essaye de produire moi-même du vin. Je ne sais pas si tout sera prêt pour le service commémoratif. Mais je vais essayer. Je ne comprends pas. Tu vas préparer ce liquide par toi-même? Exactement. Apparemment, des recycleurs ont vu du raisin dans les terres désolées. Ils avaient l'air fiables. Je te dis où tu dois aller. Si tu pouvais me récupérer du raisin. D'accord. Tu vas donc préparer ce liquide. Intéressant. Me disait aussi que le modèle de raisin que j'avais trouvé était un peu trop bien fait pour être random. Parce qu'en fait, je sais où il veut qu'on aille. Je l'ai trouvé pendant ma longue séance en off. En vrai, c'était assez long. Mais c'est tellement cool de jouer à ce jeu que j'ai pas vu le temps passer. Et c'était mieux de faire tout ça en off, quitte à faire un peu de récupération de canettes et de petites caisses à la con, plutôt que de faire des épisodes qui ne serviraient à rien juste pour ça. C'est le genre de truc que j'aurais pu faire en stream si on avait fait le jeu en let's play live, mais là en let's play vidéo, je vous fais déjà bien assez d'épisodes annexes comme ça. J'ai aussi récupéré quelques menus d'amélioration de drone, donc j'allais voir Lily. De toute façon, j'allais voir les skins. Comment peut-il y avoir un Aitiba Alpha dans l'ascenseur orbital? Sans l'aide d'Orcal, nous ne l'aurions probablement jamais localisé. Avant d'aller à l'ascenseur orbital? Non, rien. Préparons-nous immédiatement. Toi, t'as un truc à me dire, toi. Alors... Ah, c'est ça que j'ai récupéré dans les terres désolées. Elle est cool en vrai. En vrai, elle est cool. On va l'équiper. Et pour le drone, il va être amélioré au maximum.
même pas besoin d'acheter des trucs chez Digger. Oh, pompe SV plus 1, cool. Ouais, ça, on s'en fout. Et donc là, il nous reste 4 canettes. Donc là, vous avez la collection complète des canettes d'Eidos 7, des Terres Désolées, du Grand Désert et de la Matrice 11. Alors, la Matrice 11, on a déjà tout récupéré, tout comme Eidos 7. Il manquait juste plein de canettes dans les Terres Désolées et dans le Grand Désert, et certaines sont bien, bien pénibles à obtenir. Bref. Tu es prête à partir maintenant? Aucun regret? Terres Désolées. On va espérer que c'est la dernière quête que Barry a pour nous. Ouais. Donc, c'est cette zone-là dont je parlais. Alors, la zone où, avec le coffre dans la flotte, dans la petite usine, je parlais de la zone qui était là. Ça, c'est l'usine. Il y avait la grotte souterraine dans la flotte. Et donc, la zone que Clyde nous parle et que je n'ai jamais visitée dans le Let's Play, c'est celle-ci. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. L'occasion est parfaite. Il s'agit à la fois d'un des meilleurs points de pêche du jeu, même si, scénaristiquement, Clyde vous dit que c'est l'oasis, vu que c'est là où on peut choper les poissons gigantesques et titanesques. Mais la zone des Terres Désolées au nord-est est, en termes juste de jeu pur et de gameplay pur, la meilleure zone de pêche. Vous pouvez presque tout récupérer dans cette zone. Couplé à la tour d'orage de Xion, vous pouvez tout récupérer. Alors, bon, il y a une canette par ici qui est très chiante parce qu'il faut aller là-haut, faire tout le trajet. Oui, il y a des corniches là-bas et tout. Et en fait, j'avais jamais regardé en bas, vous avez un coffre de skin juste là. On a dû l'apercevoir en un coin de caméra dans le Let's Play, mais je n'ai jamais posé mes yeux dessus. C'est sans doute ici qu'ils ont vu du raisin. Du raisin? Comme dans la base de données? Ah oui? Tu es sûr? Je ne vois pas comment du raisin pourrait pousser ici. Je commence à me demander ce que ces recycleurs ont pu confondre avec du raisin. En tout cas, cette zone est magnifique. Et donc, c'est ce plan d'eau dont je parlais. Donc, dans ce plan d'eau, vous avez ici le coffre pour l'une des quêtes de pêche. Et vous avez à peu près par là... Le scan pourra pas le remontrer, je pense. Juste près, dans ce coin-là, vous avez un petit coffre de skin. Mais qui n'est pas vraiment un skin. Enfin, c'est surtout pour Lily. Je trouvais ce modèle beaucoup trop brillant, trop clean pour être juste posé là. Eve, regarde! Du raisin! Comme dans la base de données. Vraiment? Génial! Du raisin, dans un endroit pareil, ça n'a aucun sens. De toute façon, on ne fait pas du vin avec n'importe quel raisin, tu sais. D'accord, Adam. Barry se chargera du reste une fois le raisin livré. Et là, normalement, les Terres Désolées, c'est clean. Sauf si j'ai une quête encore à y retourner, normalement, on a pu y mettre les pieds. T'es revenu. Oui, j'ai ce que tu m'as demandé. Donc, il y avait vraiment du raisin. Écoute, je dois absolument t'avouer quelque chose. Je t'écoute. J'ai dit que c'était pas de ma faute, mais... En réalité... J'ai bu tout le vin que tu as rapporté de la cave. Je voulais éviter les ennuis, alors je t'ai menti. Je vois. Je suis honnête, je veux pas mentir. Ça ne se reproduira plus.
Pardonne-moi. Au moins, tu as tout avoué. Je laisse filer. Pour cette fois. Bonne chance avec le service commémoratif. J'essaierai de passer. Merci infiniment, l'ange. Merci. Merci. Elle est partie. Du vin maison. Je me demande quel goût ça a. Ma foi, une petite gorgée. Il est irrécupérable. Bon. Et ben cette fois, on en a fini avec Barry. Et ça, c'est cool. Pouf. Pourquoi Arsenal? Aïe, ce que j'ai récupéré, cette tenue-là. Bon. Et ben, quand on fait le point sur les missions qui nous restent, il ne reste plus qu'à finir le Grand Désert. On va faire un dernier tour au panneau d'information pour être sûr qu'aucune autre quête n'a popé là-bas. Je pense que là, on est en bonne voie pour finir l'annexe du jeu. Que quand je vois le nombre de canettes qu'il nous reste à récupérer, quand je vois le speech d'Orcal et l'avancement du scénario, et le peu d'annexes qu'on a récupéré là, je pense qu'on se dirige vraiment vers la fin du jeu. En tout cas, le dernier segment. Ouais, juste la quête du trésor précieux. Bon. Je vais finir de dépenser mes points de compétences aussi. Que c'est pas que j'en ai beaucoup, mais... on a un peu 21, donc... Avec 21 points, je pense que je peux tout dépenser. Je vais pas avoir assez de points. Non, je voulais pas quitter le truc. Ouais, il va me rester l'arbre bêta et l'arbre spontané à finir et j'ai pas assez de points. Ah. Un peu trop présomptueux. Tu es prête à partir maintenant? Aucun regret? Et puis le fait que Adam parle de aucun regret quand on fait ce speech me laisse à penser que oui, là on est à la fin, donc vaut mieux finir toute l'annexe maintenant. Alors, nous avons... fouiller la planque de Félix. Francis veut découvrir ce qui est arrivé à son frère. Ok, bon, on va faire ça vu que c'est juste à côté. Pareil aussi, en off, pendant que je fouillais le Grand Désert pour les canettes, sur ce promontoire là, bon, il y a une canette au-dessus, vous avez sur la corniche que je vise avec le centre, vous avez un noyau corporel bêta. Et d'ailleurs, j'ai complété. J'ai eu 3 noyaux bêta. Donc j'ai plus d'énergie bêta. Le frère de Francis se cachait dans ces ruines. Eve, ce n'est pas inhabituel. Ce qui est remarquable, c'est d'avoir survécu aussi longtemps, en venant des doses 7. Occupons-nous de ces frères fanatiques, et partons d'ici. Ok. Comme ça, je suis complètement transparent avec vous sur ce que j'ai récupéré en off. Yeah.
Je ne comprends pas. La voix de la vérité ? Ben, attention. Il a laissé des coordonnées. Bien. Je pense qu'on ferait mieux de le suivre. Alors, où est-ce qu'il veut qu'on aille ? Bon. Est-ce que... Bon, est-ce que t'as plus un de TP plus le tétrapode ? D'ailleurs, j'ai plus besoin de la canne à pêche, donc hop. On finira par la quête de l'opéra. Comme la quête de l'opéra, je pense, mettra un terme à la... à l'arc annexe de... d'Anya. Et de Sue. Je pense que c'est plus logique qu'on finisse par eux. Bon, je crois qu'en plus, j'ai commencé l'annexe du Let's Play avec eux. Une nacelle. Elle est à moitié ensevelie sous le sable. Comment un cultiste a-t-il pu mettre la main dessus ? Je suis admiratif. Cette voix a réussi à l'attirer jusqu'ici, mais qui ça peut bien être ? Nous disions. Je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un qu'on n'arrive pas à lire. Quelle vision absolument sublime. Le navire qui est tombé de son orbite, l'arche maudite et le cocon de l'ange. Elle marche au milieu de la tempête de sable, c'est déjà la fosse de le voir. Ce ne devait pas être n'importe qui pour l'attirer jusqu'ici. Il est allé à la fosse de le voir. Je vais le chercher. La fosse de le voir. Hop. J'avoue que cette quête me rend quand même très curieux. Attends, c'est au-dessus du... Oui, c'est au-dessus de l'hypertube. D'ailleurs, au bout de cette hypertube, vous avez une canette. Ah, il est là. Alors, vous voyez, typiquement, pour avoir fait cette zone pour la canette qui traîne, lui, il est pas là. Il apparaît que avec la quête. D'accord. Cette personne... À mon avis, cette personne n'avait clairement plus toute sa tête. C'est du charabia. Mais je dois admettre que j'admire sa détermination. Attends, il y a quelque chose. Un héritage. Quelqu'un nous a trahis. Notre mission est impossible. Nous avons du sang sur les mains. L'extinction de la colonie n'est pas la conséquence, mais la cause. La dernière guerre était jouée depuis le début. Je poursuivrai mon enregistrement dès que j'aurai trouvé des informations valides pour le seuil de l'humanité. Ce ne serait pas le même enregistreur qu'utilise ton escadron ? Tu as raison. Je vais regarder. Mince, les données sont corrompues. Ah oui ? Mince. Moi qui pensais avoir eu une bonne idée. Bon, on ne trouvera rien d'autre. Rentrons. Il faut faire notre rapport à Francis. Bon.
Que tes souvenirs perdurent, pour toujours. C'est intéressant, il y a un ange qui a lui aussi découvert la vérité, enfin elle aussi. Et elle a disparu ou que sais-je. Quand on voit ce qui est arrivé à Tashi et qu'on ne sait pas encore ce qui est advenu de Raven, j'ai l'impression que chaque ange qui descend depuis la colonie jusqu'ici finit par découvrir la vérité et meurt ou finit corrompu ou que sais-je. Alors, Clyde. C'est vraiment génial. Je croyais que tu plaisantais quand tu as dégoté cette canne à pêche, mais ça rigole pas. Incroyable, je dois reconnaître que tu es doué. Vraiment ? J'aurais pas cru que tu dirais ça. Je suppose qu'il y a autre chose, puisque tu le mentionnes. Oui. Je ne te l'ai pas déjà dit. Je vais t'offrir le rêve du pêcheur. Vois ça comme mon outil ultime. L'outil ultime ? Une canne à pêche rare ? Un moulinet spécial ? Ou bien, tu aurais accès à la technologie du sonar ? Tu devrais t'attendre à de bonnes choses. C'est une nano-combinaison. On dirait qu'elle est spécialement conçu pour l'eau. C'est bien ça ? Je l'ai depuis longtemps. Je sais que c'est une nano-combinaison, mais je n'en ai pas l'utilité. L'ange, je pense que tu devrais la porter. Attends, c'est... Hey ! C'est ça, le rêve du pêcheur ? L'ultime outil ? Si tu voyais ta tête. J'ai étonné l'ange. Si c'est pas ça l'outil ultime, je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'attendais certainement pas à une farce de ce genre venant de toi. Je suis flatté que tu me tiennes en si haute estime. Estime-toi heureux que je ne t'ai pas coupé en deux. C'est clair ? Ah oui. Ah donc l'outil ultime c'est c'est plaisant à regarder mais en vrai j'ai de gros feeling de la tenue de plage de Tifa dans FF7 Rebirth. On va enlever tout ce qu'on a trouvé ici. Tac. Là, j'ai récupéré des combos. On s'en fout. La tenue reste sympathique. Bon, maintenant que ça c'est fait, par quoi qu'on fait? Ah oui, cette quête-là aussi qu'il faut qu'on fasse. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que niveau tenue, il y a de tout. Il y a plein de trucs. Des trucs très classe, des trucs très couverts, des trucs très découverts, c'est intéressant. Avec ta respawn toi du coup. Que la tempête se soit levée. Ah,
mal. Ah, il y a encore une. Lamentation d'écho. Cette personne. Le grand désert est un endroit dangereux. Extrêmement dangereux. Ce n'est pas pour rien. Fonction y exile ses criminels. C'est tout de même étrange. Qui ou quoi a bien pu faire ça? Sûrement un Aitiba. Peut-être pas. Oh, j'en sais rien. Je présume que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vrai, mais... Quoi qu'il en soit, cela dit que les données ont été mises sur des drones. Je vais fouiller la zone. Ah, j'ai pas de passe pour ça. Ah, les drones sont là-haut. La vérité qui se cache sous la ville de Xion. Personne ne peut cacher tellement la vérité. Sachant que des Nightiba vivent sous la ville de Xion. Ah. Je m'y attendais. La vérité à propos du berceau utilise tous les subterfuges possibles pour envoyer les citoyens dans le berceau et accuse ceux qui résistent de traîtrise pour mieux les purger. Ils ont risqué leur vie pour ça. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? J'ignore ce qu'ils avaient en tête. La vie n'est pas manichéenne. Tout dépend comment on voit les choses. Bon, j'ai plus rien à chercher ici. Eh bien, puisqu'on rentre, on peut peut-être passer au restaurant. Peut-être qu'on a manqué quelque chose. Hop, on ira faire ça après. Donc, cette quête-là... Il faut encore qu'on la fasse. On a fait ces deux-là. Donc la quête du trésor précieux tout au sud. Apparemment le coffre est au bout de l'autoroute. J'en ai tellement fouillé que je sais même plus si c'est là que je l'ai fouillé ou pas. Parce que le coffre ça ne dit rien, un coffre que je peux ouvrir. Ah, il est là. Non, ça me dit rien par contre. Bah décidément, c'est le thème de l'épisode. C'est sûrement le trésor de ma cliente. Une nanocombi personnalisée. Terme de... Si on doit comparer les maillots de bain, je préfère celui-là quand même. Il a un charme plus que l'autre, je trouve. Bon, et ben ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait, et ça c'est fait. Donc du coup, il reste plus que la quête de l'opéra. Donc, je vous retrouve là-bas. Bon, découvrons le mystère de cet endroit. L'opéra. Cet endroit est ancien, mais semble différent des autres ruines. Je devrais y jeter un œil. Changer de sujet. Pourquoi
proches affirment que vous êtes absolument comblé de participer à un spectacle aussi émouvant. Oui, c'est vrai. Quand j'ai reçu le script, j'ai tout dévoré sans pouvoir m'arrêter. Je me suis dit, ça y est, c'est magique. Je me suis demandé ce que ça pourrait interpréter la Dama Machina, comment chanter. Puis j'ai vu comme une révélation, c'était clair. Vous parlez de la chanson par de la révélation. Et l'église a fait. Son succès sur les réseaux sociaux est retentissant. C'est comme un rêve. Je n'avais jamais imaginé pouvoir toucher autant de gens. Je suis tellement reconnaissante envers mes fans. Je me donnerai toujours un sens entier. Après avoir entendu ce chef-d'œuvre, de nombreux fans ont pu découvrir qui était vraiment Enya. Donc elle était chanteuse d'opéra. Ça fait sens. Cette chanson, elle ressemble beaucoup à celle qu'Enya chante. Mais les paroles semblent un peu différentes. Peut-être que je les trouverai dans ses souvenirs perdus. Enya, tu dois te réveiller. Oublie ce que tu as fait pendant la répétition. C'est la performance de ce soir qui compte. Tu dois juste jouer ton rôle et chanter. Oh, et mes femmes, il ne faut pas les oublier. Fais en sorte de ne pas te couvrir de ridicule pour les 100 années à venir, ok? Même si je ne préfère pas imaginer ce que ça donnerait dans 100 ans. Allez, je vais y arriver. Par-delà le destin. Ne manquez surtout pas l'éblouissant spectacle Madama Machina en ce moment même au Centre des Arts. Venez admirer les artistes exceptionnels de l'opéra Deidos. Découvrez l'extraordinaire chanson Par-delà le destin, interprétée par la merveilleuse Enya qui incarne Karakuri. Qu'adviendra-t-il de Karakuri? Que lui réserve le destin? La ruine, l'honneur ou l'amour? Par ailleurs, nous organisons une loterie pour l'assurance d'autographe de l'opéra Deidos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page officielle du Centre des Arts. Par-delà le destin pour être avec tout le monde. Enya. Madame Amashina. Eidos. Centre des Arts. Des informations sur l'heure, l'hôte, l'organisateur et les sponsors. L'audience cible. Comment regarder? Entrée par ordre d'arrivée. Une séance d'autographe avec les stars à la fin du spectacle. Il y avait même une boutique de souvenirs à l'intérieur du Centre des Arts. On dirait d'autres données à propos d'Enya. Après, comme on sait maintenant que ce sont tous des androïdes, c'est un androïde qui pense être Enya parce qu'on lui a implanté les souvenirs d'Enya, en tout cas une partie des souvenirs. Possiblement. Madama Machina, actrice principale, actrice artificielle, Enya. On ne peut jamais vraiment se fier aux transmissions analogiques. Cette personne semble très similaire à la Enya que nous connaissons. Elle a le même nom et la même apparence. D'après toutes ces informations, Digger avait entièrement raison. Ces deux Enya sont une seule et même personne. Par-delà le destin, c'est le titre de la chanson. Si j'ai bien compris, il y a eu un spectacle ici, et Enya était l'interprète. C'est ça?
Nos puces mémoires sont conçues pour stocker les informations les plus importantes au fond de nous. Cette chanson constitue le seul souvenir d'Emia. Cela prouve à quel point elle est importante pour elle. Ce n'est pas suffisant. Je pense que tu ne trouveras rien de plus. Allez, quittons cet endroit. Oui, c'est bon. Allons-y. Intéressant tout ça. Eve, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai trouvé des informations importantes grâce à Digger. À propos de toi, de ta vie d'avant. Ce n'est qu'une supposition, mais je crois que Digger a raison. J'ai aussi découvert le titre de ta chanson. Je t'écoute. Tu étais une artiste. Tu faisais partie d'une grande troupe d'artistes. Mais il y a un détail très important. Tu travaillais sur un spectacle intitulé Madama Machina. Et tu interprétais une chanson semblable à celle que tu interprètes aujourd'hui. Son titre, c'est « Par-delà le destin ». Par-delà le destin? Vraiment? Mais c'est qu'une pièce d'un grand puzzle. C'est bon. C'est suffisant. Est-ce que tu es sûre de ça? J'ai d'autres informations. Par-delà... J'ai l'impression que ce sont exactement les mots qu'aurait dit celle que j'étais avant. Pour essayer d'être en paix avec mon passé perdu, il faut accepter ce que j'ai maintenant. Il semble bien que mon obsession a créé des problèmes à beaucoup de personnes. Mais j'ai quelqu'un pour veiller sur moi. C'est tout ce qui compte maintenant, non? Eh bien, je suppose que t'as raison. Eve, merci. Tu nous as tellement aidés. Bien. Prends ces données. Ça t'aidera à restaurer complètement par-delà le destin. Ok. Merci, Eve. Est-ce que tu accepterais de chanter pour moi? Oh, avec plaisir. Thank you.
très beau, et cette quête pourrait presque sonner comme un final d'annexe. Ça sonnait presque comme toute la vie de Xion a été restaurée, tous les problèmes ont été solutionnés, presque. C'était beau. En vrai, c'était cool. Bon, et ben, on va rendre la quête au resto. Après, on ira rendre la quête à Francis, le panneau d'info, et comme ça, on verra si on a tout bouclé. Qu'est-ce qu'un ange fait ici? Et toi, que fais-tu ici? Je sais que ces gens ne sont jamais revenus du grand désert. Je vois. Voilà donc ce qui s'est passé. La vérité ne peut rester cachée. Ne vois-tu donc pas qu'il y a un problème avec Orcal? Les gens préfèrent l'ordre à la connaissance. Que veux-tu dire? À ton avis, est-ce que tout ce que tu crois est vrai? C'est tout ce que je peux dire. Mais n'oublie pas, la prochaine fois, tu seras peut-être à notre place. Bah, tu m'aides pas beaucoup, là, par contre. Bon, lui, on va pouvoir finir sa ligne de quête à lui aussi. Bienvenue, ma sœur. Que la matriarche te bénisse. Tu as de bonnes nouvelles? J'aimerais. Tiens, la puce mémoire de Félix. Non. Que s'est-il passé? Il semble que Félix traversait le grand désert, convaincu d'avoir entendu la voix de la vérité. Il affirmait que la matriarche n'était pas une déesse, et qu'il avait découvert la vérité. J'ignore s'il avait perdu la raison ou s'il menait une quête. C'est un miracle que j'ai trouvé son corps. Ça n'est pas possible. J'aurais peut-être préféré ne rien savoir de tout cela. Il était fou. Les paroles d'un fou ne peuvent être blasphématoires. Mais pourquoi la matriarche a-t-elle infligé de tels tourments à Félix? Et si Félix était fou, pourquoi a-t-il mentionné mon nom aux portes de la mort? Oh. Mère. Mère omnisciente. Pourquoi as-tu décidé de m'infliger de telles épreuves? Je t'en prie. Pardonne à Félix. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je prie pour que la lumière renaisse. Que la lumière renaisse. Au moins, il n'a pas totalement perdu la foi. Il arrive à rester positif quand même. C'est quand même tout à son honneur. Que dans le monde où on est, un peu de positivité, ça fait jamais de mal. Ce panneau a... Enfin. Ce panneau... Enfin. Eh ben... Alors, ça j'ai regardé. C'est scénaristique. C'est fait exprès qu'elle soit refusée, il n'y a aucun moyen qu'elle soit acceptée. Et ben, mesdames et messieurs, je crois qu'on a fini l'annexe de Stellar Blade. Et j'en suis très content. En vrai, il y en a beaucoup, certes, mais elles sont bien. Elles font un peu aller à droite à gauche, mais elles sont bien, elles sont simples, sauf quand il s'agit d'affronter un Goliath. Mais elles sont assez instructives sur le lore du jeu et elles sont assez touchantes pour beaucoup. Donc c'était cool. Et ben la prochaine fois, on va pouvoir se lancer à l'assaut de la quête principale. On va faire un petit repos. Tac. Et ben merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson. Tous les liens sont en description. Je vous dis un tour pour la suite de Stellar Blade. Salut!